Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de me retrouver en votre compagnie. Nous parlerons de délicatesse et de décor bien sûr. Notre but est de vous faire plaisir tout en espérant que nos astuces et conseils vous permettront d'améliorer votre intérieur. Nous partons à la rencontre de Sandra, notre invitée du jour. Bonjour Sandra. Bonjour Lynn. Alors, tu as fait appel à l'équipe de Intérieurement Votre, que puis-je faire pour toi ? Merci. Donc déjà, je t'annonce, je me suis fiancée. Merci. Et donc, à cet effet, j'aimerais que ton équipe et toi puissiez agencer mon intérieur pour que je puisse recevoir et annoncer la nouvelle à mes amis, à des proches. Vu que je trouve que l'espace est un peu insipide, un peu terne. Donc voilà, j'attends vos propositions à cet effet. Mais pas de souci, Sandra. Nous avons un spécialiste, un coach déco qui n'est plus à présenter. Il s'agit tout simplement du magicien Reda Fawaz. Bonjour Reda. Je te présente Sandra, mon invitée du jour. Bonjour Sandra. En fait, Sandra s'est fiancée il y a quelques temps et elle aimerait ici recevoir ses copines pour leur annoncer la nouvelle. Félicitations Sandra. Merci. Pour cet événement, comment penses-tu annoncer ces fiançailles? Quels sont les tons, les couleurs? D'accord. Déjà, moi, initialement, ma couleur préférée, c'est le rouge. Donc, partons de là, je te laisse exprimer. Le rouge, couleur de la passion, de l'amour, c'est bien choisi pour Merci. Cet événement. Et bien là, je regarde l'endroit que, bon, je trouve que c'est un peu fade. Il faudrait égayer et rendre cet endroit vraiment merveilleux pour cet événement. Ben écoute, nous te laissons bosser, Reda. On y va, Sandra. À tout à l'heure. Bye bye. It's hard to look right at your baby, but here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you. La tendance actuelle est aux cuisines design et colorées. C'est assurément notre coup de cœur. À la fois pratique et moderne pour que l'on aime y passer du temps à mitonner de bons petits plats pour toute la famille. Découvrons ensemble. Nous sommes dans un environnement de la maison qui est très important pour la femme parce que c'est le côté où elle se retrouve pour préparer les plus bons plats. Et aujourd'hui, les cuisines sont très tendances avec des couleurs très égayées. J'ai essayé de rajouter sur ces tendances, c'est-à-dire que cette tendance, je vais rajouter des fruits, des pommes, des raisins dans des vases cylindres et des soliflores et avec de la vigne. Et des pommes, et j'en ai même juste suspendu des pommes accrochées avec, là on a un peu plus au fond, j'ai mis ce qu'on appelle des pêches parce qu'elles ont la couleur orange, donc elles vont avec les tendances de cette cuisine. Et bon voilà, ça rend toujours un côté agréable et les couleurs égayent cet endroit de la maison. Wow, Reda, mais ça a complètement changé. C'est trop beau, c'est magnifique. J'ai même pas de mots quoi, je suis sans voix, c'est juste waouh, c'est trop beau. Mais pourquoi ces fleurs un peu partout et tout?
Comme Sandra, elle a voulu annoncer ses fiançailles. Tout à fait. Elle nous a dit qu'elle aimait le rouge. Sur le rouge. Donc, pour exprimer son amour, parce que c'était quand même la couleur de la passion et de l'amour, donc je suis allé, j'ai travaillé sur des roses. Mais bravo. Sandra. D'accord. Je vois toujours rien. Oui, tu vas découvrir tout à l'heure dans un instant. D'accord. Le travail. Tout doucement. Voilà. Wow! Formidable. Ah non, c'est magnifique. En plus, la... je m'appelle Rose pour te dire. D'accord. Ah ouais, non, mais formidable, magnifique. Vraiment, je suis satisfaite. C'est vraiment le mal. Comment tu disais? Le magicien. Oui. Wow. Ah, tu aimes, c'est sûr? C'est excellent, franchement. Le rouge et le tout, rouge, qui est ta couleur préférée? Rose, qui est mon prénom. D'accord, ton deuxième prénom. Mon deuxième prénom. Oui. Oh non, je suis vraiment, vraiment agréablement sûre. Tu vois, en plus, il t'a rajouté un tapis. Ah oui, c'est vrai. Il a complètement tout changé. Ah ouais, il a complètement changé tout ça, il les a habillés. Ton canapé, le vieux, il a disparu. Oui, il est beaucoup plus... Ah non, 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 je suis toute émue là. Franchement, merci. C'est à la hauteur de tes attentes, Sandra? Même au-delà, je te dirais. D'accord. Même au-delà. D'accord. D'accord. Franchement, très très bien. Bah écoute, il y a des chances. D'accord, on y va. On y va. Tes copines vont arriver tout à l'heure, je suppose. Bah oui. D'accord. Coucou les filles. Salut, ça va? Mamie. C'est fantastique. T'as vu? Vraiment jolie. Attendez, déjà, il faut qu'on trinque, il faut que je vous dise. Oui. Vous puissiez comprendre un peu le décor. Alors, voilà, je me suis installée. Qui est le champagne? Ah ouais. Voilà, santé, 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 santé. Merci, merci, merci. Et donc, c'est intérieurement vôtre qui s'est occupé de la déco. Vous voyez que tout a changé. Hein, la dernière fois, c'était pas comme ça, ça n'avait rien à voir. Et voilà, vraiment, je suis... Oui, non, non, tout est bien. Tout est bien. Encore, comme on dit, santé. Santé. Bah, longue vie intérieurement autre et à mes fiançailles futures mariages, j'espère. Mais je vous laisse, les filles. Voilà. Mesdames et messieurs, intérieurement votre aujourd'hui, c'est terminé. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.